Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous faire découvrir aujourd'hui une des innombrables facettes des métiers de l'informatique. Dans cette vidéo, vous trouverez l'une des 6 interviews subventionnées par la Fondation Blaise Pascal dans le cadre de son appel à projet 2019-2020. Sans plus attendre, nous passons la parole à notre invité. Bon visionnage. Pour moi, ce qui est important dans l'enseignement, c'est pas la chose qu'on enseigne, c'est la manière de l'apprendre. Bonjour Gilles, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, alors je m'appelle Gilles Bernaud. Je suis professeur de bioinformatique à l'école d'ingénieurs qui s'appelle Polytech à l'Université Côte d'Azur. Auparavant, j'étais professeur de bioinformatique à Génopôle, à Évry, au sud de Paris. Et puis encore avant, j'étais maître de conférence à l'École normale supérieure de Paris. Ok. Et sur quoi tu travailles précisément en ce moment ? Alors, en ce moment, il y a plusieurs aspects. Donc, dans l'école d'ingénieurs, j'enseigne essentiellement la bioinformatique à des biologistes. Au passage, c'est vachement agréable d'enseigner à des biologistes parce qu'on voit bien qu'ils ont besoin de l'outil informatique. Ils sont plutôt doués d'ailleurs. Hein. C'est marrant, la culture des biologistes comprend très bien, par exemple, l'explosion combinatoire qu'on a en informatique. Et du point de vue culturel, ce n'est pas si éloigné que ce qu'on pourrait croire entre la biologie et l'informatique. Et donc ça, c'est le premier point. Donc j'enseigne le B.A.B.A. de la programmation pour commencer. Et puis ensuite, comment on fait pour modéliser des objets biologiques par informatique et raisonner dessus, simuler, démontrer que certaines propriétés sont vraies et éventuellement même suggérer des expériences biologiques qui peuvent permettre de mieux comprendre comment fonctionne typiquement un réseau génétique, par exemple. Et puis alors sinon, du côté de l'université elle-même, je suis aussi directeur adjoint sur la pédagogie de ce qu'on appelle une école universitaire de recherche, donc c'est l'équivalent d'une graduate school chez les anglo-saxons. Donc ça couvre en fait quasiment de la licence au doctorat. Et donc là, il s'agit d'offrir des ouvertures aux étudiants qui sont dans le domaine du numérique, y compris les sciences sociales appliquées au numérique d'ailleurs, pour avoir une vision un peu globale, sortir un peu des aspects purement techniques de l'informatique, par exemple, ou de leur discipline particulière, de façon à avoir une informatique qui s'intègre bien dans la société, où il y a une certaine acceptabilité. Hein, on connaît tous les problèmes de respect de la vie privée, par exemple. Et donc, mettre un peu de sciences sociales dans tous ces aspects-là, au niveau de la formation de nos étudiants, c'est un truc qui nous tient à cœur. Voilà. Et donc, ça sont deux aspects un peu différents de l'enseignement. Nickel. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces deux aspects dont tu viens de nous parler, là ? Alors, moi, ce que j'aime bien dans l'enseignement, et dans mon métier en général, c'est que les gens avec lesquels je bosse, ce n'est pas des idiots. Hein. Et ça, c'est quand même vachement agréable. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de métiers où les gens avec qui tu travailles, c'est tous des gens qui ont une profondeur de réflexion assez importante, même au niveau licence. Hein, c'est vachement agréable d'avoir des étudiants qui réfléchissent, qui savent pourquoi ils sont là, etc. Donc, ça, c'est un point qui m'intéresse beaucoup. C'est que ça m'aide à pas trop vieillir, quoi, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire que parfois, on répète un cours depuis 5 ans. Parce que, bon, en informatique, hein, au bout de 5 ans, un cours, on va généralement pas beaucoup plus loin. On a vite fait, ça se rénove très, très vite. Hein. Mais disons, on répète un cours 5 ans, puis la 5e année, il y a quelqu'un qui dit un machin qui nous paraît évident. Mais pourquoi on fait comme ça ? Et puis, quand on y réfléchit bien, oui, pourquoi ? Et du coup, ça ouvre l'esprit, quoi. Ça, c'est un élément qui me plaît beaucoup. C'est vraiment d'être dans un milieu où les gens ont une profondeur de réflexion qui est assez remarquable. Et puis, ils sont jeunes, donc c'est super agréable, quoi. Voilà, c'est des gens qui n'hésitent pas à réagir, etc. Et ça, c'est super agréable. Ok. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours qui t'a mené jusqu'à ce poste ?
Au début, alors j'ai toujours été super doué en maths, en fait, hein, j'avais régulièrement 19 ou 20 de moyenne en maths au lycée, hein, et au début, je voulais faire des maths. Donc, j'ai fait un doctorat de maths, en fait. Et puis, au milieu de mon doctorat de maths, enfin, même plutôt sur la fin, je me rappelle très bien avoir discuté avec ma directrice de thèse de maths à l'époque. On avait fait un dessin au tableau où il y avait simplement deux lignes qui se croisaient comme ça. Et puis, comme on travaillait dans des espaces un peu particuliers et tout ça, on était tous les deux d'accord que ces deux lignes-là n'avaient pas d'intersection, ne se croisaient pas. Et malgré le dessin au tableau. Et je me suis dit, là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais je suis en train de travailler dans un tel abstrait que finalement, je me retrouvais complètement détaché de la vie de tous les jours, de la vraie vie. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, non, il faut que j'arrête les maths. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être, parce que j'aime les maths hein, quand même. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être proche des maths tout en étant concret. Et donc, l'informatique à l'époque, ça n'existait presque pas. Hein. Il y avait, par exemple, il n'existait pas de master d'informatique. C'était juste une option d'un master de maths. Donc, je me suis reconverti vers l'informatique. Alors, j'ai eu de la chance, il commençait à se créer, c'était Orsay, hein, ce qu'on appelait à l'époque un DEA, donc c'est l'équivalent d'un master 2 d'informatique. Donc, je suis rentré là-dedans en même temps que la fin de ma thèse. Et puis, là où je m'attendais à des trucs extrêmement pragmatiques, finalement, il y avait beaucoup de théories sous-jacentes. Donc, c'était super agréable. Et puis, donc j'ai fait plutôt un bon DEA là-dedans, quoi, comme on dirait maintenant un bon M2. Je suis rentré en thèse, du coup, d'informatique. Alors, évidemment, quand on a commencé à avoir l'habitude de faire une thèse, on va très, très vite, hein. J'ai fait ma thèse en 1 an et 3 mois en informatique. Et puis j'ai trouvé un truc qui était un problème ouvert depuis pas mal de temps sur ce qui s'appelait à l'époque le traitement d'exception. Ça m'a valu d'être voilà, pas mal reconnu. Et du coup, je suis rentré maître de conférence à Normale Sup Rudule. Et à l'époque, eh ben, le labo de maths venait de s'ouvrir. Pardon, le labo d'informatique venait de s'ouvrir. Avant, c'était complètement sous l'aile des mathématiques. Et donc, c'était agréable aussi parce qu'on a monté en quelque sorte le labo d'informatique là-bas. Bon, moi, j'étais très jeune chercheur à l'époque, hein, donc heureusement, on avait des vieux profs qui savaient monter un labo et c'était vraiment très, très, très agréable de faire ça. Toujours pareil avec des étudiants évidemment exceptionnels. Et donc, ça, c'était super agréable. Et puis après, je voulais monter ma propre équipe assez vite parce que j'avais plein d'idées de recherche. Et c'était l'époque où on ouvrait les nouvelles universités autour de Paris. Donc ils ont ouvert l'université à Évry. Donc du coup, au bout de 5 ans, je suis passé prof à l'université. Et là, à l'époque, je faisais du génie logiciel. Je ne faisais pas du tout de la bioinformatique. Je faisais du génie logiciel, alors formel, en utilisant de la logique formelle et pas mal de mathématiques. Et ça permettait du coup de prouver la correction de logiciel. C'est-à-dire, grosso modo, quand il y a des vies humaines en jeu, il s'agissait d'établir que le logiciel n'allait pas avoir des bugs qui risquaient de mettre en jeu des vies humaines, quoi. Et puis là-dessus, il y a eu le Téléthon. Le gars qui pilotait le Téléthon a décidé d'installer à Évry ce qu'on appelle Génopôle. Et d'un seul coup, j'ai vu arriver plein de biologistes super doués, avec des gros labos, qui faisaient des tas de trucs qui avaient l'air passionnants. Et du coup, je suis allé voir le chef de Génopôle, puis j'ai dit, ben voilà, à l'époque j'étais donc directeur du laboratoire d'informatique à Évry, et ben voilà, ça pourrait nous intéresser qu'on bascule pour une majorité d'entre nous vers la bioinformatique pour voir un peu comment on peut aider les biologistes. Et donc, je suis partant, mais il faut donner à tout mon labo des cours de biologie. Et donc, pendant 3 ans, on a suivi des cours de biologie entre midi et 2, avec sandwich, etc. Et puis, alors quand je dis 3 ans, hein, on a triplé, c'est-à-dire chaque année on a eu le même programme, parce que quand on vieillit, on a du mal à se mettre à ce point-là à une nouvelle discipline, enfin quand je dis vieillis, à partir de 30 ans. Hein. Et donc du coup, voilà, on a triplé, mais on a fini par comprendre un peu de quoi y retourner. Et l'objectif de nos profs, c'était pas tant de nous apprendre de la biologie que de nous apprendre ce qui intéressait les biologistes comme résultat, qu'est-ce qu'ils considéraient comme un bon résultat de biologie. De sorte que on a tout de suite vu où est-ce que l'informatique pouvait les faire avancer beaucoup plus vite.
Voilà, donc du coup, au bout de 3 ans, j'avais 70% de mon labo qui s'était reconverti à la bioinfo. Et donc voilà, c'était super. Et puis ensuite, il y a une limite sur le nombre d'années où on peut être directeur de labo au CNRS. Et donc j'ai monté un institut pluridisciplinaire avec un collègue biologiste. Et puis j'ai donc donné la succession de la direction de mon labo à mon directeur adjoint, en fait. Enfin, il y a eu des élections et tout, hein, bien sûr. Voilà. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé un peu à m'ennuyer. Je trouvais que on finissait par avoir toujours les mêmes coopérations, etc. Et puis, il s'est monté donc l'école Polytech, dont je vous ai parlé au début. Et cette école Polytech, c'était un regroupement d'une école d'ingénieurs en mathématiques, d'une école d'ingénieurs en informatique, d'un master professionnalisant en biologie, et ils avaient besoin d'une équipe de gens qui étaient capables de faire parler tous ces gens-là ensemble. Alors évidemment, hein, mathématiques, informatique, biologie, ça me parlait, et comme il y avait pas mal de postes, j'ai pu venir avec mon meilleur maître de conf, nos meilleurs thésards, etc., et tout de suite j'ai eu une équipe de 4 ou 5 personnes, et donc ça m'a permis de ne pas avoir de rupture dans la recherche tout en ayant un enseignement dans un milieu qui était vraiment très rigolo avec des gens qui se connaissaient pas au départ et puis de la pluridisciplinarité à mettre en place quoi. Donc c'était assez agréable. Et puis il s'est avéré finalement que les informaticiens quand on est à Sophia Antipolis, hein, c'est la plus grande technopole d'Europe, Sophia Antipolis, et là il y a énormément d'informatique à Sophia Antipolis. Donc les informaticiens, ils n'avaient pas très envie de faire de la bio parce que, de toute façon, il y avait énormément de jobs où on avait besoin d'eux sur Sophia Antipolis dans l'informatique pure. Si bien qu'on a fait la bioinformatique uniquement aux biologistes. Voilà. Et c'est pas si mal parce que là, du coup, on a des gens qui savent pourquoi ils ont besoin de la bioinformatique, en fait. Et donc, voilà en gros le parcours que j'ai fait. Super. Alors, c'est connu qu'en informatique, la proportion d'hommes et de femmes est vraiment complètement déséquilibrée. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Comment toi, tu l'as ressenti au cours de ta carrière? Alors, quand j'étais jeune, je voyais pas où était le problème. C'est-à-dire à moins de 30 ans, tant que j'étais pas directeur de labo, je voyais pas où était le problème. Je me disais, bah, il y a des concours, les gens les passent, bon, voilà. Et puis, quand j'ai été directeur de labo, je me suis vite rendu compte que ça déséquilibrait pas mal la manière de faire de la recherche. Et puis, il y a des questions d'ego qui s'expriment très fortement chez les mâles, hein, et c'était pas forcément agréable de mener un laboratoire dans cette ambiance-là. Alors j'ai fait un truc tout bête, c'est que dans les recrutements, alors dans les labos, il faut d'abord que je précise qu'il y a ce qu'on appelle les rangs A et les rangs B. Donc les rangs B, c'est en gros les jeunes de mes rangs poste, hein, donc maître de conférence et chargé de recherche au CNRS. Et puis, il y a les rangs A, c'est les professeurs d'université ou bien les directeurs de recherche au CNRS. Et évidemment, le problème, il est essentiellement dans les rangs A. Dans les rangs A, il n'y a quasiment que des hommes. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans les recrutements de profs, systématiquement, quand on avait deux CV d'égale qualité, je disais, on pourrait peut-être favoriser une femme. Et puis, en général, les gens étaient tous d'accord avec moi. Et ça a suffi pour qu'on ait, au bout de 3 ans à peu près, peut-être 4 ans, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de recrutement, hein, c'était l'université nouvelle, et on a eu exactement 50% de femmes dans les rangs A. Et en fait, ce que j'ai pu constater dans nos milieux de recherche, c'est que c'est pas une question de qualité de CV, hein, c'est vraiment à CV de qualité égale, où il suffit juste de faire un tout petit coup de pouce en disant, bon, on pourrait peut-être regarder un peu l'équilibre homme-femme. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment, en fait, quand on est conscient du problème, c'est relativement facile à réparer. Surtout qu'on s'attend à ce qu'en informatique ce soit plus compliqué, mais a priori, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Oui, je pense que c'est peut-être plus compliqué au niveau des rangs B, c'est-à-dire au niveau de l'embauche. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de docteurs qui sont des hommes que des femmes. Mais en tout cas, au moins, on peut facilement réparer la chose au niveau des rangs. Ok. Là, ce que tu nous as dit, c'était quand tu avais 30 ans. Mais maintenant, est-ce qu'on a les mêmes méthodes et est-ce qu'on obtient les mêmes résultats? Alors,
Je suis étonné de voir qu'on n'est pas déjà en fait 50% de femmes au niveau des rangs A. Je suis pas sûr que. Je pense que maintenant, il faudrait s'attaquer au niveau des rangs B, en fait, de façon à équilibrer aussi dans les embauches dès le sortir de la thèse. Et en fait, je pense que oui, c'est ça, démarrer à l'envers, finalement, c'est en commençant par le haut et puis descendre dans la hiérarchie, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Hein. Voilà. Et j'ai l'impression que voilà, si on veut démarrer par le bas, bah, c'est pas facile de décider des femmes à dire bah, faites donc de l'informatique, etc. Alors que si on démarre par le haut, bah, on a des rois qui sont des femmes, qui savent peut-être mieux parler ou qui donnent l'exemple, tout simplement. Et du coup, ça diffuse beaucoup plus facilement en descendant la hiérarchie qu'en montant. Très bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier-là? Je voulais avoir quand même un doctorat parce que je voulais voir si j'étais capable de faire de la recherche quand j'étais très jeune. Et une fois que j'ai été docteur, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité entre l'industrie et la recherche académique. Et je pense que si je n'avais pas eu le poste à Normale Sup, si j'avais eu un poste dans une fac standard, je serais plutôt allé dans l'industrie. Et avec la situation actuelle de la recherche académique, je conseille à tous mes thésards d'aller dans l'industrie. Je ne leur conseille pas du tout d'aller dans la recherche académique. En tout cas, pas en France. Voilà. Ouais, c'est sûr qu'en France, ça peut être un peu compliqué. Où est-ce qu'on peut trouver ton travail en ligne? Alors, ma page web n'est pas très à jour, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dois la mettre à jour une fois tous les 3 ans, donc c'est pas. je sais pas, j'imagine sur Google Scholar, etc. Mais c'est vrai que ma page web, franchement, il faudrait que je fasse quelque chose là. Ouais, et puis j'imagine que t'as pas non plus que ça à faire de mettre à jour ta page web avec tout ce que t'as à faire. Dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un qui veut faire de l'enseignement dans le supérieur? Alors ouais, il y a plein de conseils à donner pour enseigner. D'abord, la première chose, c'est quand on donne un enseignement, il ne faut pas avoir peur de se mettre à poil. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a beaucoup trop de professeurs qui ne dévoilent pas leur intuition des choses. Et du coup, ça rend beaucoup plus difficile de comprendre, surtout en informatique où il y a beaucoup de choses abstraites, ça rend beaucoup plus difficile de comprendre un concept. Et donc, il ne faut pas avoir peur vraiment d'aller au fond de l'intuition, même si on dit des choses un peu fausses. Il ne faut pas avoir peur de dire des choses découpées à la hache, de façon à ce que ça paraisse simple dans un premier temps. Puis après, il sera toujours temps d'aller voir dans le détail les subtilités du sujet. Mais ouais, je crois que le premier truc, si on veut être un bon enseignant, il faut faire ce qu'il faut pour que tout paraisse simple au premier exposé. Et donc, pas avoir peur de donner ses intuitions. Hop hop hop, ne partez pas. Du jargon informatique s'est glissé dans cette interview. Notre invité vous explique tout. Ça veut dire quoi, explosion combinatoire? Quand on cherche à faire résoudre un problème à un ordinateur, il va mettre un certain temps de calcul avant de nous donner une réponse. Et ce temps de calcul, en général, il est dépendant de la quantité de données qu'on va lui donner en entrée pour qu'il puisse nous donner cette réponse. Et on peut calculer le temps que va mettre l'ordinateur à faire son calcul en fonction de la quantité de données qu'on lui fait ingérer au début. Et ce temps-là, quand le problème est bien gentil, ça va être par exemple proportionnel. Si je donne 2 fois plus de données, je vais faire 2 fois plus de temps de calcul. En général, les problèmes qui nous intéressent vraiment, c'est ce qu'on appelle exponentiel. C'est-à-dire que si je donne 2 fois plus de données, il y a 4 fois plus de calcul. Si je donne 4 fois plus, il y a 16 fois plus de calcul, etc. Et donc ça grimpe très, 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 très vite. Et quand on parle de ça à un mathématicien, par exemple, il va dire le jeu d'échecs n'a aucun intérêt parce qu'il y a un ensemble fini de positions possibles sur le jeu d'échecs. Et donc, voilà, c'est un truc qui n'a aucun intérêt mathématique. Pour un informaticien, ça a vachement de l'intérêt parce que la quantité de positions est énorme. Et donc, le temps de calcul pour proposer le coup d'après, ça nous intéresse énormément. Il ne faut pas que ce soit trop long. Et donc, quand on a des problèmes, alors on a des problèmes exponentiels, on peut avoir des problèmes d'exponentiel, d'exponentiel, etc. Et même, il y a des problèmes qu'on sait caractériser pour lesquels il n'existe pas d'algorithme qui peuvent donner de solution, hein, tout simplement.
Et donc voilà, l'explosion combinatoire, c'est ce phénomène que la plupart des problèmes intéressants vont très vite prendre trop de temps et trop de mémoire dans l'ordinateur pour pouvoir être résolus de manière satisfaisante. Et ça, je disais donc qu'un biologiste, il le sent bien, parce que vu le nombre de molécules qu'il a, ne serait-ce que dans une cellule, il a déjà touché du doigt ce problème, qu'un mathématicien, même un physicien qui fait l'hypothèse du continu, par exemple, ne ressent pas autant. Ça veut dire quoi, abstraction ? Voilà, quand on écrit un programme qui a besoin de calculer, par exemple, un trajet optimal entre deux villes ou des choses comme ça. Alors, il faut par exemple représenter la position où se trouve la personne qui veut aller d'un endroit à un autre. Cette position, souvent, on la représente par des coordonnées x, y. Et ce qui va se passer, c'est que donc dans l'ordinateur, on va avoir l'impression que les calculs se font sur des formules qui contiennent x, des formules qui contiennent y. Et on n'aura jamais l'impression que le calcul se fait sur la position où se trouve la personne. Et ce qu'on appelle l'abstraction, c'est la capacité à regrouper ces x, y dans quelque chose qu'on appelle la position de la personne, et d'écrire des fonctions qui prennent en entrée non pas x et y qui ne parlent pas, mais la position de la personne qui parle intuitivement aux gens. C'est ça qu'on appelle l'abstraction, c'est-à-dire que la notion de position est une notion abstraite, alors que x et y sont des notions concrètes. Donc cette notion d'abstraction, effectivement, elle peut aller loin. On peut très bien dire que, par exemple, on a une vision abstraite d'une cellule dans son entier en biologie, et puis à l'intérieur, il y a des taux de concentration, il y a des emplacements de membranes, il y a des compartiments, etc., etc. Mais ça permet d'écrire des fonctions qui parlent de la cellule dans son entier, donc c'est beaucoup plus facilement lisible quand on regarde le programme ou quand on spécifie ce qu'il doit faire. Voilà. Voilà pour cette interview, merci de l'avoir écouté. Si ça vous a plu, comme d'hab, abonnez-vous, commentez, poussez en l'air, soutenez-nous sur YouTube, etc. Il y a 5 autres interviews qui vous attendent, vous trouverez leurs liens dans la description. C'était Flo pour Qu'est-ce que tu geeks? Salut!